Bonjour à tous et bienvenue pour le message du quotidien. Donc, on va voir ensemble eh bien quels vont être les messages d'ailleurs pour ce samedi 14 septembre. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. On va démarrer sur une petite note pour pas changer avec les portes de l'intuition. Alors, j'avais déjà battu au préalable, donc je vais juste aller retirer un petit message parmi ces cartes. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble le petit message, donc le but de votre vie. Donc, on voit bien que vous avancez, en tout cas, sur le bon chemin. On voit bien que vous allez être ancré. Et ici, vous gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et vous gardez la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, c'est-à-dire que pour moi, il y a un but et vous allez vraiment vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va poursuivre avec le tarot aujourd'hui. Alors, je vais me faire un petit peu de place. Allez, pour me les tarots, on va voir un peu le but de votre vie ici. En tout cas, vous allez donner vie à vos projets, de ce que vous voulez vraiment dans la vie. D'ailleurs, on vous dit que vous allez défendre vos intérêts et vos convictions, vous êtes plutôt confiant. Et puis, on voit bien qu'ici, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez choisir judicieusement vos combats. Donc, pour moi, il y a une vision. Vous savez ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et vous allez vous battre pour pouvoir y arriver. Donc, il y a de l'effort, l'effort qui seront utiles, puisqu'on voit bien que vous allez pouvoir vous libérer de ce fait. Donc, il y a des fins qui mènent aussi à de nouveaux départs, qui nécessitent aussi de l'effort, de la persévérance et du courage. On voit que vous gardez vos convictions, vous avez confiance en vous. Vous prenez votre pouvoir, votre combat, hein, bien sûr. Et puis là, on voit qu'il y a des situations aussi, peut-être, qui vous empêchaient d'avancer. Mais là, il y a comme une transformation spirituelle. Donc, pour moi, vous allez réussir à vous libérer, mais surtout à réussir à votre but dans la vie. Il y a comme une libération pour vous, une belle transformation. Donc, il y a une expérience ici significative ici vont vous permettre des changements. Alors ici, il y a vraiment. Alors peut-être que vous avez réfléchi un bon bout de temps, mais là, on sort vraiment de sa procrastination. Et là, on va vraiment se battre. On défend ses intérêts et on se bat avec confiance, le pouvoir. D'ailleurs, on vous dit que ça va vous permettre de vous libérer et de pouvoir transformer le négatif en positif. Donc, pour moi, oui, il y a vraiment ici un combat que vous allez mener, mais pour votre plus grand bonheur, puisqu'on voit que vous allez réussir au but que vous êtes fixé dans la vie. Donc, ça peut être dans différents domaines. Petit message de nos anges. Réussite hein, sur un combat ici. Donc, on vous dit l'ordre divin, l'archange Raguel. On a aussi regardé cette balance qui nous parle de retour à l'équilibre. Donc, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Voilà. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se déroule comme il se doit en ce moment pour vous, les amis. Et puis, petit dernier message de la mission de vie pour clôturer ce samedi 14. Alors, vous faites vos petits retours pour les petits messages quotidiens qui sont très courts, les vidéos, mais ça me permet, voilà, d'être avec vous chaque jour, puis de vous retrouver un petit peu. Voilà, phase d'apprentissage. Donc, l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir, dont ton âme a besoin. Voilà les amis, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous embrasse et puis moi je vous dis à très vite.